Ça va être difficile, père. Tout affaire est difficile. Une décision comme celle-ci exige de la force. La force et la puissance, souviens-toi de cela. Oui, père. Il espère nous voir confirmer sa nomination au bureau, au lieu de quoi nous allons le révoquer. Après un pareil coup, il va être évidemment contre nous, ça on peut s'y attendre. La seule tactique est de se passer de ses services au plus vite. Mais qu'allez-vous lui dire? La vérité, mon fils. La vérité pure et sans fard. Oui, voilà ce que tu vas lui dire. Moi? Assieds-toi. Il faut te montrer net, bref et surtout précis. Ne lui donne pas une chance de discuter ou de te répondre. Plus ces choses sont rapides, meilleures elles sont. Alors frappe et frappe fort. Entrez. Oh, merci, Simon. Mon fils va parler pour moi en cette occasion. Ah, je vois. La jeunesse prend la barre, c'est l'avenir, hein? Restez debout. Quoi? Vous ne resterez pas ici longtemps. Je vais me montrer net, bref et surtout précis. Voilà, il vient d'être décidé qu'on ne vous nommerait pas au bureau. Non. Étant donné les circonstances, nous pensons qu'il ne serait pas normal pour nous, ni pour vous non plus, que vous restiez plus longtemps dans la société. Adieu. Et bonne chance. Alors, voilà, comme ça, hein? Vous voulez dire que... Je ne vois franchement aucun point à discuter avec vous. Je me sens fier de toi, Peter. Admirablement mené. J'ai encore beaucoup à apprendre, père. Ça viendra, mon petit, ça viendra. Maintenant, sors et va donc t'amuser un peu. Oui, père. Thank you.